Le lyrisme. Plaisir. L'amour. Le raffinement. L'amitié. Jobim, c'est tout. C'est la danse, c'est le corps, c'est l'âme, c'est complet. Puis aussi, c'est contrasté. Comme moi, je pensais comme deux mots, comme de la puissante délicatesse. Mm-hmm. Il y a quelque chose de très terreux, puis en même temps très éthéré. Pour moi, ce qui rend Jobim différent, c'est vraiment le raffinement. Chaque pièce est un petit bijou en soi. C'est très, très chantant. C'est le cœur qui chante. Ces mélodies-là qui sont extrêmement chantantes, soutenues par une harmonie très sophistiquée et quelquefois très dense, puis qui puise dans différentes traditions, qui puise dans la tradition autant classique que jazz. Oui, absolument. Ça a été comme des vases communicants. Des vases communicants. Le fait que pour une majorité des pièces qu'on joue des arrangements de Jobim, ça nous donne du matériel pour vraiment donner du relief. Mm-hmm. Une palette très large d'atmosphère, de respiration, de silence, d'envolée. Oui, absolument. Je suis d'accord. C'est une musique qui est très humaine, qui parle de la vie, qui parle de tous nos côtés d'être humain, les côtés plus sombrageux, les côtés très lumineux. Puis ça permet aux gens de se reconnecter avec leur humanité. On s'est mis à jouer ça plus en fin de pandémie, puis ensuite de pandémie, puis tu sais, dans le... Moi, je sens beaucoup, beaucoup de chaleur et un côté rassembleur à cette musique-là. Ouais. Ça vient comme ça, tu sais. Mais c'est vrai, tu as dit un mot important, la chaleur de ça. Ben ouais. C'est tellement de musique chaleureuse, puis c'est comme tout le monde devient dans la même bulle, puis on plane. Ouais. Ses arrangements se prêtent bien, et sa musique se prête bien à l'interprétation de trio, parce qu'il y a déjà plein de contre-mélodies, plein de... Ouais. Qu'on peut se passer la balle, on peut vraiment se passer la balle. Ouais. Puis je sais que les gens, souvent, ce qu'ils aiment quand ils voient un spectacle, ils sentent comme qu'ils sont invités à témoigner de quelque chose qui tourne, de quelque chose qui est en mouvement, mm-hmm. qui est partagé en extrêmement ludique. Ouais, extrêmement ludique. La balle, les gens sont un peu suspendus. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui va se passer? Quelquefois, on peut ouvrir une chanson, on peut ouvrir un arrangement, puis il va se passer quelque chose de complètement. Oui, c'est la liberté que le trio. Ouais, c'est la liberté que le trio nous permet, hein, c'est ça. Ouais. Mm-hmm. C'est de permettre un espace pendant la durée d'un concert où on se met au ralenti dans notre rythme cardiaque, dans notre façon de recevoir les choses, parce que le rythme, la musique de Bossa Nova, c'est un rythme qui est très sensuel, qui est très au ralenti, qui nous entraîne. Ça prend quelques mesures, puis on est comme... On est comme sur un bateau de croisière, là, puis on se laisse porter.
Puis notre corps réagit à ça de manière extrêmement agréable parce que, surtout maintenant, dans notre vie qui est frénétique, ben là, tout à coup, le temps reprend sa place qui lui est due et on n'est plus en combat avec le temps. Et on le sent dans les gens. Hein, quand on commence le concert, il y a comme une fébrilité, puis après le concert, c'est comme... Ouais. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est déjà dans la musique brésilienne. C'est cette espèce de phénomène d'élasticité à l'intérieur du rythme. Puis le fait que la pulsation, la subdivision est stricte. Mais ce qui se passe à l'intérieur de la pulsation, c'est comme un ovale. Elle est rassurante, elle est là. Mais elle caresse, comme tu dis, c'est bon. Il y a quelque chose d'une ovalité, il y a une ovalité à la place de quelque chose de très symétrique à l'intérieur de la pulsation. Définitivement. Je pense que ça touche les gens, puis même ça crée comme une certaine, peut-être à la limite, quelquefois, pour certaines personnes, une sensation de mystère. C'est comme la vie. Dans la vie, il y a de tout. Le soleil, les nuages, l'ombre, la lumière, il y a tout ça dans Jobim, livré d'une façon unique et tellement touchante.